Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? De quoi es-tu si sûr? La vie, la mort, le dilemme, le souffle, l'esprit de l'homme, sa relation à lui-même. Les forces qui le maintiennent, les forces qui l'animèrent, son rapport à l'animal, aux plantes et aux petits règnes, sa place sur terre, sa difficulté à s'y faire, ses désirs impossibles à satisfaire, cette éternelle quête de bonheur, ce besoin de chercher ailleurs, quand la profondeur intérieure reste encore un mystère. De quoi es-tu si sûr? Des limites, des limitations, droit carré bien rangé d'une petite façon, au rythme des vacances, des soldes, des liquidations. Est-ce que la vie active peut au final mener à l'inaction? Je me le demande, j'ai encore plein de questions. Non messieurs, les questions, ça mérite pas d'objection. Qui a le courage de quitter ses schémas de protection et de fouiller derrière ses propres projections? Dis-moi qui? Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand il croit se lever. De quoi es-tu si sûr, mon ami? Discernes-tu l'inconnu et l'absence, le rêve et la réalité? Si tu fermes tes cinq sens, fais-tu la différence entre attente et patience? Et entre manque d'audace et pas de chance, arrives-tu à percevoir derrière les apparences, à distinguer le chemin entre le malaise et la carence, à écouter l'intuition jusqu'à sentir à l'avance de ne pas faire tienne une vérité qui au fond de toi n'a pas de sens? De quoi es-tu si sûr? De quoi as-tu si peur? Sais-tu te préserver des pressions extérieures? Face aux dogmes et aux passions pleines d'aigreur, même face à la majorité, rester fidèle au son que porte ton cœur. Peux-tu te faire tes idées propres sans jamais t'enfermer dedans et tout en écoutant l'autre? Voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, à l'heure où on se demande qui est le plus humain entre l'animal et l'homme. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand il croit se lever. De quoi es-tu? Je me bats, je m'en vais respirer autre part. Oh yo yo. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. J'écoute sans énorme et tu vois sur les épaules. À la lumière de nos temps, de nos erreurs et des mots. À la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes. À nos rêves qui se vendent, au monde que nous allons. Aux idées, aux comprendre, dans les crimes de nos implicites. Aux notes qui s'endorment, la haine, au vent. Nos rêves d'enfants, à l'air, au vent, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes venus du prix et vos idoles. Nous sommes ceux qu'on ne dompte pas. Crier sur les toits, la vie, de liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. 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 Le vent est pris de nos poids, souffle sur nos voiles. Les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, grâce à vous, ma dernière vidéo a été partagée pratiquement 20 000 fois. Grâce à vous,
on est arrivé aux 300 000 vues. Ça monte de minute en minute et ça, c'est grâce à vos partages. Vous m'écrivez pleinement sur les mails, ça déborde. Mais on va suivre et on va gérer parce qu'on s'est engagé. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous reparler de la peur parce que je vous en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Vous pouvez aller la voir si ça vous inspire. Et je vous invite vraiment aujourd'hui à vous engager avec vous-même et à vous mobiliser comme jamais, jamais vous l'avez fait dans votre vie. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, ça va être court. Et après, je vais vous dire ce que moi, je vais faire. Il y a une chose que j'aimerais saluer. Le 22 avril, devant la Chambre des députés en Italie, une femme avec des couilles plus grandes que jamais vous pourriez imaginer a pris la parole, idem en Autriche, pour dénoncer le massacre médiatique qui a été fait depuis des semaines et qu'on nous met dans la tronche pour nous faire croire qu'on va tous mourir. Vous avez tous, comme moi, au départ, une peur viscérale de mourir. C'est normal, on pense à notre survie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que vous vous mobilisiez tous pour vous informer. Bouclez vos chaînes de télévision, bouclez-les, stoppez les radios, arrêtez de lire la presse, branchez-vous sur ceux qui combattent depuis des années, qu'on traite de fous, qui combattent pour vos libertés. Arrêtez de traiter vos pères, vos grands-pères, vos mamans, vos proches de fous alliés. Je reçois des centaines de messages de gens de tous les pays du monde qui me disent « Emma, heureusement, on se sent plus seul. J'essaye de prévenir mes enfants, j'essaye de prévenir mes voisins. » Et qu'est-ce qu'on me dit à chaque fois ? « Ouais, ça va, c'est bon, arrête. Pourquoi ? » Qu'est-ce qui vous a le plus gangréné, les amis, depuis des années ? Votre confort. Qu'est-ce qui vous a le plus gangréné depuis des années ? Votre soi-disant sécurité. Lâchez ces concepts, c'est terminé. C'est ce qu'on a voulu vous mettre dans la tronche pendant des années. On vous a distillé la peur avec le terrorisme, avec les musulmans, avec les juifs, avec les noirs, avec les blancs, avec toute la population mondiale. On a distillé la peur. Et qu'est-ce qu'on vous a mis au bout comme carotte ? Votre sécurité. Idem avec les vaccins. Idem avec les vaccins. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule général pour que vous tous vous partagiez une chose importante. Quand on parle de services d'urgence pris d'assaut en Italie il y a quelques semaines, il faut absolument tous rester chez vous parce que sinon les urgences vont être débordées. Ok, est-ce qu'on parle des lits qui ont été enlevés pendant ces dernières années ? Est-ce qu'on parle des milliers de lits qui ont été enlevés ? Il est clair que si une unité de soins intensifs a 3 lits, ça va être compliqué de gérer les problèmes. Mais ça, pas que pour le Covid, pour tous les problèmes. Alors, on ne peut pas contrôler ce que les médias disent. Aujourd'hui, on l'a tous compris, on ne peut plus contrôler ça. Par contre, vous pouvez réagir tout de suite en stoppant la source d'information qui vient vous gangréner votre esprit. Parce que tant que vous êtes sous la peur, vous allez être complètement tétanisé, vous allez rien faire. Rien du tout. Je vous invite à remplacer vos « mais » par des « donc ». Je veux plus de ça. Mais bon, non, c'est fini ça, les « mais », vous les foutez dehors de chez vous. Vous les rayez de votre vocabulaire. Je ne suis plus d'accord avec ce système. Je ne suis plus d'accord avec cette santé. Je ne suis plus d'accord avec mes politiques. Donc, j'agis. Mettez vos donc. Vous avez la liberté. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Est-ce que j'ai le choix de dire non ? Est-ce que vous vous êtes demandé comment serait le monde qui vous entoure si vous aviez le choix ? Si vous aviez, vous, maintenant, cette putain de baguette magique, il serait comment le monde ? Alors remplissez maintenant vos phrases avec des donc. Agissez à votre niveau. Vous avez 75 ans, c'est pas vous qui allez sortir dans la rue. Vous êtes fatigué. Alors engagez-vous à refuser la peur. Engagez-vous à refuser d'être testé. Les tests, tous les spécialistes le disent. Arrêtez les mainstream, arrêtez les médias dominants, allez voir les médecins qui parlent aux États-Unis, en Europe, en Asie et qui disent les tests ne sont pas fiables. Ils sont là uniquement pour vous mettre
un tracking sur votre identité numérique qui a déjà pris cours il y a longtemps. Ouvrez les yeux, informez-vous. Vous vous sentez pas l'énergie d'aller dehors? Très bien, refusez le vaccin. Refusez encore une fois la peur. Refusez de télécharger l'application sous prétexte que vous protégez vos proches. C'est faux. C'est faux. Vous leur mettez les menottes. Refusez tout ça en masse. Et refusez les masques. Les masques vous intoxiquent. Vous êtes des personnels soignants? Très bien. Vous savez ce qui se passe avec ce qu'on fait aujourd'hui? Regardez vos gouvernants qui depuis des semaines vous disent que c'est inutile et tout d'un coup ça devient obligatoire, il faut les payer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde se mobilise sur la toile pour dire il faut que les masques soient gratuits, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous mendiez pour des masques, ils veulent que vous fermiez vos gueules, qu'on ne voit plus sur vos tronches ce qui se passe. À qui servent les masques? C'est à nos gouvernants qu'il faudra avoir des masques, c'est eux qui devraient se cacher, parce que c'est eux qui vont plus oser bientôt sortir de chez eux. Vous avez compris les amis, vous en avez marre d'être pris pour des cons. Alors moi je vais vous dire ce que moi je fais. Je refuse d'être testée parce que je suis informée sur le sujet. Je refuse d'installer une application qui va pourrir mon réseau et ma vie. Je refuse la 5G. Je refuse les vaccins pour mes enfants et pour les vôtres. Je refuse la peur, complètement la peur. Et surtout à tous les dirigeants de tous les pays du monde, à vous les dirigeants, je vous rends votre merde, je vous la rends. Je vous rends la peur que vous avez semée, je vous rends la haine que vous avez voulu mettre dans ma vie, je vous rends les mensonges, ceci ne m'appartient plus désormais, c'est mon choix. Je vous rends les merdes, les divisions que vous avez semées, je vous rends toute votre putain de propagande dans la gueule et c'est terminé, je ne jouerai plus. Avec vous, je ne vous renverrai plus jamais la balle. C'est mon engagement avec moi-même. Et je ferai jusqu'au bout ce que je peux pour rester dans mon engagement et pour accueillir avec moi ceux qui veulent être dans une énergie de cœur, une énergie de don, une énergie bienveillante. Et je m'engage à rester dans cette dynamique positive et je suis sacrément déterminée, les amis. Alors si vous souhaitez me rejoindre, peu importe votre pays, les mails sont mis dans la description de cette vidéo. Et croyez-moi, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment nombreux. Une dernière chose avant de finir cette vidéo. J'aimerais que tous les professeurs d'anglais se mobilisent pour traduire les vidéos qui sont publiées sur les médias libres, dont LondonReal.tv, qui sont uniquement en anglais. Des professeurs, des éminences américaines, publient des interviews qui sont gratuites, qui sont sur Internet. Et malheureusement, comme elles sont récentes, elles sont encore que en anglais. Les profs d'anglais, mobilisez-vous, traduisez ces vidéos. Laissez les gens choisir. Si vous n'avez pas de profs d'anglais dans votre entourage, demandez à vos amis qu'on vous traduise. Vous ferez votre opinion quand vous serez enfin en connaissance de cause. Parce que la connaissance libère les amis. Ne restez plus dans l'ignorance et prenez votre engagement. Je vous attends. Et regroupez vos forces. Parce que ça va chier.